Et quel artiste est un artiste complet? Binini, on peut la compter parmi les artistes complets du Mali. C'est une artiste finie, finie dans le sens que si on l'encadre très bien, elle pourra chanter au Zénith de Paris un jour seule. Inch'Allah. Seule. Seule. C'est l'encadrement qu'il lui faut. Bingui, elle est plus artistique même, elle est plus artiste même que Elle, Griot. Parce que non, Abin. elle n'est pas dans le registre. Sacha, si on va sur le terrain de griottes, on va dire qu'elle est la dernière des griottes. On va le dire ainsi. Parce qu'elle ne va pas se mettre à chanter comme les griottes font. Crier. Les griottes crient. Les binginis chantent. Ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et puis quand il C'est chante, pas pareil. Il faut être un professionnel pour faire la différence entre une griotte et une chanteuse. Un artiste complet chante, mais un griot va faire son griotisme. Ça, c'est obligatoire. Ils sont là pour faire les louanges des autres. Il faut prendre Ils sont là Mamadi. pour crier. Ça. Ils sont là pour Il faut prendre critiquer d'autres Mamadi, s'il te personnes plaît. à travers leur dire, afin de Papi. se faire savoir. Vous dites? Non, c'est Delmas qui m'a parlé. Il faut prendre. Oui, il faut prendre Mamadi. Il y a Mamie qui dit Ça, il faut Sangaré qui prendre demande à Mamadi. monter. Donc, du coup, il ne faut pas que les gens confondent le griotisme et l'art. L'artiste. L'art, ce n'est pas la même chose. C'est Le ça, griot, c'est c'est ça. le griot. L'artiste, c'est Il m'a l'artiste. parlé. Il faut prendre. Oui, il faut prendre Binini Mamadi. et Il y a son Mamie mari qui sont dit ça. aujourd'hui des artistes. Malgré nous, Palmer, il est devenu un artiste. Donc, on va le laisser dans ce registre-là et on va l'aider dans ce sens aussi. Je pense que les deux ont aujourd'hui des supports qui sont là, qui peuvent les aider à avancer dans le sens où ils veulent. Inch'Allah. Que Dieu nous garde tous, que Dieu vous garde en longue vie et que Dieu vous aide dans tout ce que vous faites dans la vie. Moi, je pense que les Maliens, ils sont fiers de ce que l'Afrique est en train de faire aujourd'hui pour ce couple-là. Ce couple que nous allons accompagner, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants de tout ce milieu-là, quoi. Parce que c'est un milieu qui ne dit pas son nom. C'est un milieu qui est tellement complexe que si tu veux te battre réellement, tu viens dans ce milieu. Mais pour en sortir maintenant, eh ben, c'est un problème. J'espère qu'ils vont s'en sortir et qu'ils n'auront pas de séquelles dans leur vie négative qui va les amener quelque part. Vraiment, merci à vous tous. Mbafo Beye, Mali Kono, Mali Koka, Mbafo Ategrigri, au Royaume Keti, Mbafo au Beye, ka au Niche, au Ni Baraji. Alaka au Be Merci Sara, au Dine na Unganiala. Alaka to Merci Demsan Nunere, Alaku, Ukoliko, Wira Ulanga, Alaka Nuse, Ukoliko, Se Ula. Yarabi, Alaka to. Barika ka don u fɛ kow bɛɛ lajɛlen na ani u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'u dungɔ kow bɛɛ lajɛlen na faneni Ala tɛ baneni tɛ n bɛ segin o kan hali sini n bɛ segin a kan tuguni faneni tɛ baneni tɛ mɔgɔ neni tɛ n ka artisi bɛ san sɔrɔ cogo di n bɛ se k'a dɛmɛ cogo di don fɔlɔ min na n ye binyɛni ye ka kuma ka dɔnkili da ka Salif Keita ka dɔnkili ta k'a da. A don na ngo ah ngo ni nin den de mena ab son ata nye fe don do la parce que artiste bet te ka don li da Salif Keita ka don li ta ka da ka kla ka fo ka be mo ni mi si wasa Salif Keita ka don li ne re benye no e Habib Kouaté malien chama be nu be kan la me u ba don Habib de la ka fo nya na ko ma fi nya ta interview de la à la radio quand on a fini avec l'interview. Ayeninga. Pour moi, s'il y a des gens qui doivent monter, tu me dis, je prends les personnes là, pardon. D'accord. Moi, Salif, Le avec moment. ma fille, tu vas dans Salif Keita ka cassette, n'a pas de mort, follow me basse, ou bien un single blanc, follow me basse, ta la mer. Ne connais pas ton tonneau tout don. À quoi est un artiste ou dit? Parce que Salif Keita est une bibliothèque. Salif Keita ka. Aïe, aïe, Tasha, il y a Aïe qui veut monter depuis un moment là. Aïe. Voilà.
Ni ye mɔgɔ ta, ni ye Salif Keita ka dɔnkili ta, i b'a lamɛn, e min ye artiste ye, ni m'a ka fɔlisen ta, i b'a ka kumakan dɔ ta, walima i b'a, walima a bɛ kuma zana dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na, donc tu auras besoin de ta chanson. Ko donc, du coup, anw fɔlɔ fɔlɔ de b'a san ka lamɛn. Le premier jour où j'ai vu Bingini chanter dans le registre de Salif Keita, a don na koni nisodiara, nsewara, nya don ka fo don do la na demena abeke mugoyi abeke don lidalai mugo ka fendo blau kuna jelia ani artistia fin flado qu'il ne faut pas mélanger a manka nya minyo kona fio nantara jelu ka strakan bingini ye jeli bela ko e parce que atse ka jelia ke atse jelia la. Maintenant, étant le Guinéen, mais c'est pas pour dénigrer, hein, mais je pense qu'il est un peu opportuniste pour le faire. Je m'explique. Jelly est fermier. Sacha, Jelly est fermier. Il faut que Jelly a jatiki ma balma. Il faut tout le temps courir derrière les gens. Il faut tout le temps courir derrière tes jatiki. Il peut le faire ça là. Il peut boire encore. Jeli blara de jeli kase ka a jatiki ka fasada ka kuma ma ka fin fois et fin mimba yele a fadeum sans fait ka fin fois et fin mimba to abe dusu ka frembo ka di alema oye jeli astrai nga bingeni me sra min kan oye artisti astrai artisti koro imu ye i ka fin fois fin mimbe mogo blasra. Ne bien non ni umu sangare betaka sisa non interview la radio sola wal television sola ubaka dongli chima de toi ubaka dongli chima ko nga traduit wali ni ina baba fulu bali betaka interview la radio sola ou bien television sola ubi dongli nu chima ko nga traduit nga sebe o prescription inde olube barake o de kan bo bingeni ka dongli beteka abseka. Tu peux traduire avec... sa musique parce que sa musique a un sens. Sa exactement. Musique, c'est un depuis par la musique. Ta mère a dit que Ukani allait mon enfant Dongli. Kako abe Dongli da kuko akaji da Dongli ni prescription katani yon pour que Luka fam. Johnny nga fam tuwa buka fam. Vous voyez, maintenant une chanson ne peut pas être transcrite. Ça veut dire que ce n'est pas de l'art, c'est du griotisme. Donc, mwoka fla bonyona, mwoka na fla ke kokelinye, jeli ba ka jeliya ke abe sansura ka jeliya konna na jatou bo de fe. Mais artisti ba ka arke, oba to jine bebe se ki lame chukwa minam, ni ma arnyman ke itike jine betayi. Donc, du coup, ambe... An beko blanc una fadenya kan yi fadenya nyuma mimi dusu do ila ki bla bara straka me fadenya fon fadenke taka tiene taka nye ote fadenya yi an go bwanga adama denya ukono an ga barake an fadenke o nye ka bwana nda nga barake noy ne kon bo fo bela jeli fanenin te banenin te mugo burujate anga barake purke amfade unye ka bwana ya rabbi alaka bara dusu bara nyuman dusu do ambele jelen kono mim seka to ambele jelen miseka ke mugo ye dondola munum biseka mugo woro blasra ni maye nyuman straka mugo ti jate de ni maye nyuman straka mugo ti la dege de ambe kan ti anga nyuman strata na nyuman strata dro ambe ke example ye. Bini, aujourd'hui, on la prend pour une femme exemplaire. Et nous remercierons tout le temps les Caïziens à propos de ça. Parce qu'aujourd'hui, on a une femme qui a relevé les défis. Elle a relevé les défis. Nka foro wo nga dogo wo nyem sokoroba nye chekoroba wo janko hakli nyuma ka kila mim se ka bara nyuma ke alaka anke hakli nyuma tikuye donc intervention, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Chacha, merci pour l'attention, c'est gentil. Je pourrais pas citer de pays, je pourrais pas citer de monde, je dis tout le monde merci à vous pour cet amour là et on est toujours là à côté. Ne croyez pas que
que nous sommes partis, nous sommes à côté, mais la famille déteste parler. Même quand je parle comme ça, la famille n'est pas d'accord. Tanti, je vous envoie la demande. Je vous enverrai la demande après, vous me ferez les retours. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sacha, allez, bisous à vous. Merci, je vous fais la bise. Merci, Tanti. Merci. Alors, notre mamie nationale, on t'écoute, mamie. Notre mamie, la joie, commentatrice. Voilà, ce que moi j'ai à dire. Hey. Ce que moi j'ai à dire. Mm. Oui, mamie, on t'écoute. Sankara a disparu là. C'est que quand Big publie une vidéo sur TikTok, il y a les fans qui prennent les mêmes vidéos là pour republier ça. Tu vas voir que ces personnes même ont plus de vie, plus que la star même. C'est pas bon. Oui. Allez. Oui. Ils peuvent faire des duos, je ne sais pas comment je dirais. Avec, là. Oui. Mais pas télécharger la vidéo pour republier là, ça diminue la visibilité de Biggie. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, mais bon, quand on dit là que Biggie n'a qu'à changer le look, ou bien c'est pas parce qu'on veut qu'elle n'a qu'à être ouvrée comme ça, d'échanger. Si elle est sur scène là, elle doit laisser la timidité, sinon on n'a pas dit, et je ne sais pas, qu'elle n'a qu'à changer. Bon, la timidité là, moi je peux dire que la timidité ça fait partir de Biggie. Biggie est naturellement comme ça. Tu vois, non? Oui, non, les gens disent que si elle est sur... Attends-moi. Ah, c'est tout, j'aime pas ça. Quand les gens disent quoi? Sur scène, là, les gens disent que quand elle est sur scène, là, elle est trop timide, là, qu'elle n'a qu'à arrêter ça. Tu vois? Non, Bing. Ah bon? Moi, je trouve que si elle est sur scène, elle est... Bon. Quand même, voilà, timidité, c'est une partie de Bing, je sais pas. Je vais noter. Ok, mamie, quoi, Bing est timide sur scène? Sur scène, moi, je trouve pas. Hein. Bon, non, c'est pas mamie qui a dit, il y a des gens qui l'ont dit, c'est pas mamie. Tu sais, attention, l'important, c'est quoi? C'est que nous, on puisse prendre des amis. Qui est timide sur scène? Hein? En plus, là, quand elle est, je ne sais pas comment je vais dire même là, et Big n'est pas active sur TikTok, là, les gens disent qu'elle n'a qu'à faire de l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre seulement qui fait augmenter les abonnés. Quand tu as la visibilité, là, tu vois, quand tes vidéos font 500K, là, tu vois que tes abonnés vont monter. Mais là, je ne sais pas comment je vais dire, ne vois même pas la vidéo de Big. Mais quand ça, on n'a pas parlé. Alors que quand on parle public, c'est de hein? pas voir. Il faut prendre Aïe. Qui n'a pas parlé? Ah, c'est A avec I tréma. Elle est là depuis longtemps. C'est qui? Ah, c'est qui? Elle est là, c'est A, grand A avec I tréma. Bonjour. Là, bonjour. Attends, je vais prendre Aïe. Bonjour. Tu vas me laisser, tu as rompu. Non, mamie, tu descends pas là, elle reste là. Tu es bonjour. Bonjour, ma chérie. Elle me fatigue trop. Bonjour, ah, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour. Oui, on entend. C'est Ndema. Ndema connaît Ouattara. C'est Ndema. Oui, c'est d'où Ndema? États-Unis. Ah, t'es gris, États-Unis. Quelle nationalité? Guinée? Je suis toute nationalité. Toute, d'accord. Je suis guinéenne, malienne, ivoirienne, burkinabé. Waouh! Tout. Anyway, Mali, Guinée, Burkina. J'appelais simplement pour remercier tout le monde. Comme je remercie tout le monde, tous ceux qui aident Biggie, et je remercie ça. Seulement que j'ai voulu ajouter quelque chose où les gens disent que Biggie doit changer de look, c'est rentré et sorti. Si tu sais, j'aimerais simplement donner un message aux fans de Biggie que il faut l'aimer telle qu'elle est. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Il faut lui rendre la tâche facile parce qu'on ne peut pas dire à une grande personne à un certain âge de venir changer quelque chose qu'elle a l'habitude.
Tu vois, ce qui fait que les gens admirent Sacha, parce qu'elle sourit, elle est classe, elle fait ses trucs simples, elle fait ses trucs avec respect. Tu ne peux pas venir dire aujourd'hui, bon, il faut ajouter ceci, il faut ajouter cela. Ne comparez pas votre artiste aux autres. Chacun a son caractère. Chacun a sa manière de faire. Si crier peut donner la voix aux autres, c'est pas obligé que ça lui donne la voix. Donc, les gens qui l'aiment sincèrement vont l'aimer pour ce qu'elle est. Pour son attitude, non. Je pense qu'il faut savoir, il faut simplement, je pense qu'il faut simplement, pour moi, c'est de parler comment améliorer son public, comment améliorer son public, comment attirer son public. Et comme j'ai même dit au Biggie elle-même, j'ai dit, c'est bon souvent de faire des featuring avec les grands, grands artistes. Ça, c'est très, très important. C'est des choses qu'il faut proposer à ta star. Les grands, grands artistes, il faut le faire. Si tu vois que Sidi qui est monté là, c'est parce qu'il s'est accroché. C'est pas pour une comparaison, mais elle est internationale aujourd'hui. Donc, il y a des grandes, grosses têtes là. On les achète pour faire simplement des featurines. Ça te donne à un autre niveau, à un autre level de la situation. Donc, je pense que... collaboration avec des artistes connus, d'autres artistes étrangers. Des artistes de grosses têtes. Il y a des grosses têtes. D'accord. Des grosses têtes. Et puis pour sa voix, il y a des gens qui demandent en concernant sa voix, qu'ils acceptent sa voix pour ce que sa voix est. On a des gens ici comme Tracy Chapman. Tracy Chapman, sa voix a fait le monde entier, mais elle a une voix grave. Moi, je compare la voix de Biggie à la voix de Tracy Chapman. Donc, franchement, les fans à Tegrigri, si vous aimez votre star, aimez-la pour ce qu'elle est. Si elle pleure, vous pleurez. Si elle porte chiffon, vous admirez. Si elle porte classe, vous admirez. Si elle se fait de l'aise, vous admirez. C'est-à-dire, c'est vous qui allez la valoriser. C'est vous qui allez la valoriser. Les autres vont la critiquer, mais c'est la Tegrigri qui va la valoriser. Est-ce que tu ne penses pas que... Bon, moi, je vais prendre un exemple, hein, parce qu'on est dans un débat. Est-ce que tu ne penses pas que quand certains fans se voient frustrés par certaines sorties de leur star, ça aussi, ça ne les affecte pas? Parce qu'il ne faut pas oublier le fait que les fans se vantent de leur star. Dire que moi, ma star, elle est la meilleure sur YouTube. Moi, ma star, elle est simplement et classe. Sacha, tu sais. Attends, je vais finir ma question parce que là, on est dans un débat. On va essayer d'organiser ça pour répondre aux préoccupations de tout le monde une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai par exemple une femme qui est rentrée dans mon inbox qui me dit « Ah, Sacha, Bingy peut avoir de jolis modèles, par exemple, au Sénégal, très simple et très chic. Viviane, par exemple, avant, essuyait beaucoup de critiques. Au début, elle s'habillait un peu, voilà quoi. » Exhibé. Non, attendez, j'ai fini. Au début, elle s'habillait, c'était pas trop ça. Nous, ses fans, on l'a conseillé, on lui a dit, voilà ce qu'on aimerait que tu changes, voilà. On aimerait que tu fasses tel genre de musique, voilà. On aimerait que tu prennes des risques, que tu fasses des collaborations. Est-ce que les critiques ne peuvent pas aider une star à progresser? Par exemple, moi, je vais donner un exemple. Moi, je suis venue, j'ai supporté Biguiné. J'ai trouvé certaines failles. J'ai trouvé que tous ces comptes avaient un différent nom et que tout n'était pas harmonisé. J'ai fait des remarques et d'autres personnes ont fait des remarques. Et ça a été changé. Est-ce que certaines remarques ne peuvent pas aider l'artiste à avoir un plus, à être, je ne sais pas, c'est-à-dire ça ne va pas ajouter un plus? Sacha, si. En Europe, il y a des... Sacha, il faut prendre Sankara. Sacha. Je peux parler. Je vais dire que les critiques sont normales. Nous, moi, par exemple, je défends mon président et je le critique. Je suis une grande défenseuse de mon président, le président de la République, mais quand ce n'est pas normal, je critique. Les critiques sont tout à fait normales. Les critiques apportent plus, tu vois. Mais il y a certains trucs que, par exemple, concernant sa voix, concernant son... Il y a certains trucs qu'on ne peut pas immédiatement enlever. Par exemple, il y a des gens qui ont parlé de sa voix. Par exemple, quand tu prends le cas de Viviane Dou, moi, personnellement, il arrivait que personnellement, j'envoie une lettre même à son inbox pour dire que en tant qu'une mère aujourd'hui, il y a certains trucs, c'est vrai, il faut copier le style d'ici, mais nous restons aussi, on a un coutume. Nous sommes des Africains. Donc, il y a un certain truc qu'on doit avoir certaines limites. Est-ce qu'elle ne peut pas essayer un peu de se couvrir un peu tout ça? J'ai critiqué ça aussi, tu vois. Mais ce que je vais dire, que franchement, les critiques sont la bienvenue. Les critiques sont la bienvenue. Et maintenant, ça... Tu
les critiques constructives, parce que bon, je le dis. Voilà, constructives, par exemple. La critique, quand tu dénigres quelqu'un, moi je le dis toujours, même dans mes. Tu viens dénigrer ma star, je te bloque, ça c'est non négociable. Si tu viens avec une critique constructive là, ça je vais prendre en compte et en parler. Parce que critique constructive, tu fais une petite remarque à ta star qui peut pousser ta star à changer positivement. Dénigrer, c'est quand tu te permets de manquer de respect à une personne carrément. Là, on va dans le mépris. Surtout le côté mariage des couleurs. Mariage des couleurs, on peut aussi donner notre avis dessus parce que c'est très important. On peut s'habiller simple, mais il faut savoir marier les couleurs. C'est très, très important. Ça fait respecter, ça fait classe. Mais Sacha, ce que je voulais te dire, j'aime bien ta sortie d'aujourd'hui. Et pour des gens mûrs d'esprit et plus d'expérience que tu l'es, je me dis qu'il faut des gens aussi comme ça sur la toile. Nous autres, on ne peut pas parce qu'on est dans un autre genre de combat. Mais Bigini est comme une famille pour moi parce que j'ai fait le Mali et jusqu'aujourd'hui, la famille de Bigini est ma famille. Mais donc, ça fait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne joue pas avec Bigini. C'est-à-dire que je vais l'aider jusqu'à mon dernier sou, que ça plaise à qui il veut. Moi, je suis là pour une reconnaissance que je vais aller jusqu'au bout. Parce que Bigini est d'une famille très éduquée, très avancée, une famille intellectuelle, une famille qui a accueilli des gens qui ne sont même pas, ils savent même pas d'où ils viennent, mais qui les ont donné la vie, c'est-à-dire la nourriture, la vie et l'espoir, parce que chez nous, il y avait des problèmes. Donc, on s'est retrouvés au Mali, mais franchement, je ne peux pas dire du mal des Maliens. C'est vrai, je m'étais fâchée concernant les trucs, je m'excuse si je sors un peu du domaine, mais c'est pour expliquer combien de fois la famille Baraga, c'est une famille, tu vas les critiquer, ça serait seulement des mensonges, mais c'est une famille qui sait respecter l'être humain, qui donne de l'importance à l'être humain, qui sait comment entretenir une relation. Donc, c'est pour dire que, franchement, les critiques de Bigini, c'est normal que les gens le fassent parce que quand quelqu'un quand on voit quelqu'un comme zéro qui devient plus, ça amène plus de jalousie, plus de problèmes. Mais vous, vos sorties, Sacha, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Je te tire le chapeau parce qu'il faut aussi des gens comme vous pour que les plein de sorties, les gens puissent vraiment être allés dans des coins plus sérieux pour comprendre l'importance de comment avoir ces attitudes envers sa star. Donc, je te dis merci pour ta sortie et j'ai prié Dieu que tu puisses continuer aussi un peu comme ça parce que vous autres comme ça, c'est important. C'est important pour vraiment équilibrer la situation. C'est important de donner autre esprit à la chose, tu vois. Donc, franchement, ce que je vais dire aux fans de Bigini, en Côte d'Ivoire, il y a des artistes qui arrivent à faire 2 millions en moins de 2 semaines. Donc, au fur et à mesure qu'il se concentre sur sa carrière, il se concentre sur son level, vous allez voir que oui, vous serez les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Moi, je salue tous les intégrigris. Et je veux leur dire que je tire le chapeau. Je comprends leur mécontentement souvent parce que Bigini, ses fans l'aiment avec le cœur. Il l'aime avec le cœur. C'est pas aimer parce qu'il faut aimer ou bien aimer parce que tu veux venger quelqu'un ou bien aimer parce que par rapport à quelqu'un que tu veux venger quelqu'un. Non, il y a un cœur qui est là. Et quand on aime avec le cœur, je la compare à Michael Jackson aux États-Unis. Quand on aime avec le cœur, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que quand on touche un peu seulement la personne, ça fait mal. Donc, c'est souvent normal. C'est normal qu'il faut comprendre. Il faut se comprendre. La seule chose que je déplore un peu, c'est de venir sur les lives et puis montrer vos mécontentements à tes gris-gris, améliorer ça un peu. Parce que ça n'arrange pas votre star. Si vous n'êtes pas content, équilibrez ça entre vous. Et puis, venez montrer le beau sourire au dehors. C'est tout. C'est comme ça, l'ennemi ne va pas vous convaincre. Je dis même les problèmes entre nous à Tegrigri, on peut gérer une box. Pourquoi venir sur une la box toile? Franchement, tu sais, en fait, les ennemis vont se servir de ça pour venir se moquer de vous. Moi, Sacha, moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'arriver, mais ici, là, quand je suis devant vous, je vais sourire. Mais quand je vais arriver, celui qui est pour Bigini réellement, celui qui est pour Bigini réellement connaît le pour et le contre, connaît le mal et le bien. Donc, si réellement tu aimes Bigini, que vraiment tu veux son succès, tu veux pas qu'elle soit humiliée, il y a des choses, même si tu peux,
tu vas laisser parce que ça va envoyer des conséquences négatives à ta star. Donc, oh, bon entendeur, je salue tout le monde, j'embrasse tout le monde. Merci pour tout. Que Dieu fasse que tu fasses ça tout le temps. Je t'adore, je t'admire beaucoup et beaucoup de courage. Et puis, merci à tous les intégrés, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Merci. C'est gentil. Ça, il faut prendre Aya. Elle est fatiguée de A, c'est A avec I, I tréma. Aïe, il faut vous montrer Aya. Parce que moi-même, je Bon, attends, je vous dis qui est là. Qui est là? Tenez bien, parce que je sais. Prendre Mamadi d'abord. Prendre Mamadi d'abord. Prendre Sankare d'abord. Attends, il y a Massama Kamara. Il y a, je vois. Aïe, c'est A avec I tréma. Je vois. Aïe, Kouyaté. Ça peut-être.